Et Yomina, j'espère que vous allez bien. C'est Maître Adrien et on est enfin de retour sur Crash Bandicoot, It's About Time. Oui, ça fait vraiment que j'avais pas continué le let's play et je me suis dit, il faut qu'on le termine. Que soit lui ou Little Nightmare et tout, donc je tente de finir aussi quand même, qu'il faut faire. Donc voilà, on se retrouve cette fois-ci donc dans un autre monde, donc le monde polaire, comme on voit. Bah, on va voir comment ça va se dérouler cette fois-ci un peu plus sur l'histoire. Et juste avant, donc en plus je dis pas de conneries, hein, c'est juste avant qu'on a récupéré, si je dis pas de conneries, ben oui on a récupéré le masque. Et je crois que le masque c'était une masque avec une voix un peu de personne âgée. Enfin à moins qu'on se trompe et que ça fait longtemps que j'ai pas, je sais pas. Bon, allez, en tout cas on lance et on verra bien comment ça va se passer. Dans le passé, mais ça n'a fait que me donner plus de temps pour préparer ta fin. Tu me trouveras en haut de la montagne. Ne jette pas au chemin. Waouh, je sens qu'il y a vraiment un passif entre vous. Tu l'as battu combien de fois ce clown déjà? 3 fois. Ah bon, seulement 3? J'aurais dit plus. Alors, pas mal ce petit clin d'œil en mode tu l'as battu que 3 fois. J'aurais dit plus. Oui, c'est plus si tu comptes pas les, si tu comptes les spin-offs. Et que tu comptes tous les autres crashs, hein. Donc oui. Ah, donc on a bien eu le nouveau masque. Oh, c'est trop bien, on ralentit le temps. Franchement, eh, ralentir le temps comme ça, c'est trop bien. Il a un bon... Je trouve qu'il a un bon pouvoir. Ce masque-là a un très bon pouvoir. Ok. Alors je sais pas si ça bouge ça quand on va dessus. Bon, pour l'instant ça se passe bien. Ça, ça peut compter comme checkpoint donc on va le prendre. Parce qu'on va pas dire non à un checkpoint. Oh my gosh, tout ça. Ah mais c'est trop bien! C'est trop bien, ça ralentit en fait la destruction du nitro. Ouais, c'est un peu risqué. C'est un peu risqué, on n'a pas tout mais c'est pas grave, c'était pour le checkpoint. Si un jour je veux vraiment réunir tout et le compléter à 100%, je pense que ce serait quand ce sera sur console où il y a vraiment dans le mode les trophées. Je suis plus apte à jouer, ça me motive plus quand il y a des trophées. Là au moins je... Non, je vais pas sauter dedans. Alors lui à mon avis il faut lui sauter dessus. Ah, j'allais dire, il faut ralentir le temps, mais on peut pas. En fait, comme un con, j'étais en train de chercher de ralentir le temps, mais en fait, on n'a pas le masque. Ok. Ah, d'accord, je vois le truc.
Ah ouais, c'est trop bien. Ah, là j'étais un peu trop, j'étais trop long, mais c'est parce que j'ai fait trop des grands sauts, je pense. Je pense que mes sauts étaient trop grands, faut vraiment attendre que ça descende bien. Voilà. Parce qu'en fait, ça me fait perdre trop de temps les sauts. Donc, ce qui est logique. Bon, la cassette, je peux pas la prendre. Par contre, ok. Ça, c'est pour glisser à mort, je pense, bien sûr. Ok. Franchement, rien que pouvoir ralentir... Non, là j'ai fait de la merde. Rien que pouvoir ralentir le temps, c'est quelque chose qui est juste énorme en termes de gameplay. Ah mais pourquoi je vise quelque chose de trop haut? J'ai trop peur de pas les avoir, ça se trouve. Ça doit être ça, ça doit être vraiment en mode... J'ai peur de pas tomber dessus alors qu'en fait, ben si, il y a rien, je vois pas pourquoi je pourrais pas. Ah ouais, donc en fait, faut vraiment... Ouais, au pire, si on prend pas la vie, c'est pas grave, au pire, j'en ai eu le train de me dire. Ouais, parce qu'en fait, si, je pourrais, mais il faudrait que je revienne en arrière, donc. Est-ce qu'on a envie de revenir en arrière, personnellement? Personnellement, je dirais que non. Mais bon. Ah, bah, j'ai encore le masque en moi. Ok, ok. Ouais non, là j'étais trop long. Là j'ai été trop long. Là ça tombe les deux et ça tombe après le derrière. Voilà. Non mais je suis en train de me dire je peux pas ralentir le temps. Vraiment que je fasse gaffe à ce que je fais. Des fois je crois que je peux ralentir le temps alors que je peux pas. Et des fois je crois que je peux pas alors que je peux. Oh non. Ah non. Ça c'est le karma. De toute façon sur le bateau je peux y aller mais j'y vais pas. Et en fait là ça sert à rien d'y aller où je vais. Le mieux c'est d'aller sur le bateau ouais. Le bateau en fait ça nous permet d'aller à gauche. Wow. Bon voilà, ça s'est bien passé quand même. Malgré tout. Nickel.
Ok, bon bah nickel. Ok, bon bah maintenant le deuxième niveau, le froid glacial. Ah bah en ce moment il fait trop chaud, j'aimerais bien être à ta place Crash hein. Un bon petit moto, des bonnes grolles. Donc bon, là j'aimerais pas être congelé comme toi. Mais dans l'optique j'aimerais être comme toi. Par contre, le cercle il apparaît d'une façon assez bizarre là. Comparé à la plateforme. Oui, il recule en arrière là, le Crash. J'avais vraiment pas compris en fait pourquoi il a fait ça. Mais non, mais j'ai sauté dessus. On dirait qu'il a glissé. J'avais bien sauté dessus. Hein. Là, j'ai pas compris. Pas trop compris. Nickel. Il est trop bien. Franchement, hey, ce jeu il est trop bien. Pour être honnête, hein. À gauche, c'est pas. À droite, c'est la mort. Donc on va à droite. Quand c'est la mort, c'est que c'est plus intéressant. On est toujours du style aller du côté de la mort. En termes de chemin. Tu vois une tête de mort, tu te dis ouais bah c'est bon, on va y aller. Et c'est vrai que c'est toujours que c'est comme ça. Ah, j'étais en train de dire comment on fait pour monter. Comment on faisait pour alterner et c'était rond. Parce que, franchement, j'avais perdu la touche, hein, pour être honnête. Hein. On les connaît, ces petits salopios à lunettes. Ils sont très connus dans la licence, ceux-là. Ça fait plaisir de les revoir. Même si à l'époque, c'était des vrais, des véritables connards. Mais bon. Ah, la musique. C'est la musique de Cortex. Bon, ça m'étonnerait qu'on se rapproche de la fin quand même. Vous pensez que c'est la fin? Allez, lui, on s'en sert juste pour checkpoint. Mais vous pensez que c'est la fin? Non, ce serait...
J'ai pas pu récupérer le Crash en dessous, c'est pas grave. Je vais récupérer la vie de Crash pour l'avoir. Parce que j'étais quasi, j'avais quasi toutes les caisses, mais bon. J'ai envie de dire tant pis, hein. Ah, le petit masque. Le petit masque qui fait plaisir. Oh, le requin, il saute vite! Non, oh, on avait quand même bien géré, on a quand même bien avancé. Ah, Feyesh. Mais comme ils sautent vite, les requins! Ouais, non, là, j'étais un peu trop vite, j'aurais dû attendre qu'ils arrivent. On va être un peu plus tranquillou. Voilà, vous voyez comme ça, ça passe, hein. Et c'est passé au KLM, hein. C'est cool. Ce niveau, franchement, j'adore avec ce masque, hein. C'est vraiment trop bien avec ce masque, hein. C'est juste insane. Alors, le prochain, c'est ours en goguette. Ah, on va peut-être avoir une course-poursuite avec l'ours. On va peut-être être sur le... Bah, peut-être être sur l'ours. Et je pense que la fin, ce sera sur le dirigeable de Cortex, alors. Je pense que c'est ça. Ok, let's go. Ah, c'est bien, moi, quand tu détruis les petites bestioles avec lui, c'est que c'est bon. Par contre, il y avait un mec qui était en train de venir là, qui a descendu. Oh putain, les snowboarders. C'est trop rigolo. Ah merde, je me suis fait cramer. Et ils viennent d'où, les snowboarders? J'ai même pas vu. Étonnamment. Pourquoi la manette ne répond pas? Donc s'il y a le mot ours dedans, c'est que ça devrait... il devrait avoir une courte poursuite avec l'ours, hein. Eh bon, ça, on arrive bien, hein. Ouais, là, je suis trop resté sur le même.
Ah bah là, par contre, là, j'ai glissé. Là, j'aurais pas dû glisser, c'est pas grave. Donc déjà, ça, c'est bon. Ah, il faut sauter carrément sur la machine pour avoir un espèce de rebond. Enfin, de ce que j'ai compris, hein. Non, pas obligé. Non, la machine en fait c'est juste là pour nous faire chier en fait et tout. Elles sont juste là pour nous emmerder. Bon. Ah. Le masque. Lui je l'attendais. Voilà. Oh. Ah. J'ai l'air d'avoir réussi. Mais tout est en train de péter. Ah, il y a Cortex. Ah, une course poursuite mais en vue de devant, on dirait. Merci Cortex. Il est en train de nous aider. Un petit peu, pas tout le temps. Et comme ça, je m'amuse, ça se voit. T'es en train de rigoler comme un gogol depuis tout à l'heure, donc je pense que oui, tu t'amuses, toi. T'es sponsorisé par le Père Noël pour faire autant péter les salés, pour couper les sapins, frère. Ah bah nickel. C'était nickel tout ça. C'était trop cool. J'ai cru qu'il fallait le choper mais au final non, il fallait juste le suivre. C'est tout. Rien de plus simple. Ok, et donc là c'est vers Cortex là. Jamais 304. Voilà, jamais 3 défaites sans 4 en fait. Ça veut dire ça. Nickel. Crash Bandicoot, il était temps que tu arrives. Ça va être comme au bon vieux temps. Sauf que cette fois, tout va se passer selon mes plans. J'ai apporté quelques améliorations à mon ballon. Ok, ouais, c'est vrai que on se battait sur le dirigeable de. Oh. Oh putain, j'ai esquivé de peu. Bon, on a le truc pour ralentir, voilà, s'il fait un peu trop chier, mais.
Donc on va jouer avec ce masque là contre Cortex. C'est normal ça, ça. Ah, on joue à Guitar Heroes. Ah, fallait me le dire, cousin. Pour l'instant, ça se passe tranquille. Pour l'instant. Non, ça c'est bâtard, frérot. Tu le bandicoot, écrase le bandicoot, écrabouille-lui la tête. Depuis quand tu t'es mis à chanter, frérot? Je me demande ce qui va se passer si j'appuie sur tous les boutons. Allez, dégage. Pas encore. Satané Bandicoot. On doit vraiment continuer comme ça encore et encore. Des mois, Crash. On va vraiment faire ça pour toujours. Je savais que tu ne pourrais pas gérer la plus simple des tâches. Avance-toi tant que tu veux, j'abandonne. Si tu me cherches, je serai sur une île tropicale quelque part, seul. C'est parfait, car vois-tu, je n'ai plus besoin de notre alliance. J'ai trouvé un nouvel associé et un nouveau plan. Réparer tout ça dans mon dos. Évidemment, le générateur de failles a des capacités que ton esprit ne peut appréhender. Tu te contenterais de régner sur le temps et l'espace. Moi, je vais recommencer à zéro. Tout effacer complètement. Je vais réinitialiser la ligne temporelle et la reconstruire à ma convenance. Je vais devenir un dieu. Et ça veut dire que toi, tu n'existeras pas. Pas plus que ces masques stupides ou ces insupportables marsupiaux. Ayez de l'univers par ce pont, pompeux. J'aimerais bien voir comment il fera quand je lui aurai planté ce diapason dans le... Sauf si on l'attrape en premier. Il semblerait que nous ayons un ennemi en commun. Peut-être y a-t-il un moyen de mettre fin à ce cycle éternel, après tout. Mais je... Ok. Ok, bon bah le pacte est scellé, on a fait un câlin, ça veut dire qu'on est devenu allié. Waouh. On dirait un monde un peu à la jurassique, préhistorique jurassique, c'est trop bien. Bon, bah les amis, nous on va se laisser là pour cet épisode, j'espère en tout cas qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker ou à vous abonner. Et on se dit à très bientôt et à la prochaine pour la suite de notre aventure sur Crash Bandicoot, It's About Time. Allez, ciao, ciao, Mina.